Le repos. Léonide Andreïev. Un haut dignitaire âgé se mourait, un monsieur important qui avait aimé la vie. Il lui était difficile de mourir. Il ne croyait pas en Dieu, il ne comprenait pas pourquoi il mourait, et il avait affreusement peur. C'était terrible de voir à quel point il souffrait. Le dignitaire qui se mourait avait derrière lui une longue vie, riche et intéressante, au cours de laquelle son cœur et son esprit n'étaient pas restés inactifs et avaient reçu satisfaction. Et son cœur et son esprit étaient là, comme était là son corps, qui avait fini de vivre et refroidissait lentement. Ses yeux étaient las de regarder même la beauté, sa vue était rassasiée, son oreille était lasse d'entendre, même la joie était devenue pénible pour ce cœur épuisé. Tant qu'il avait été sur pied, le dignitaire avait pensé à la mort avec une certaine satisfaction. Au moins, je me reposerai, se disait-il. On arrêtera de m'embrasser, de me respecter et de me présenter des rapports, se disait-il avec satisfaction. Oui, c'était ce qu'il se disait. Mais quand il fut sur son lit de mort, il éprouva une souffrance intolérable et les dernières affres de l'épouvante. Il avait envie de vivre encore, ne fût-ce qu'un peu, ne fût-ce que jusqu'au lundi suivant, ou mieux encore, jusqu'au mercredi ou au jeudi. Pourtant, il ne sut pas quel jour il mourut, bien qu'il n'y en ait que 7 dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ce jour-là, jour qu'il ne connut pas, un diable vint trouver le dignitaire. Un diable ordinaire, comme il y en a beaucoup. Il entra dans la maison sous l'apparence du prêtre, de l'encens et des cierges, mais se présenta au mort dans toute sa sainte vérité. Le dignitaire devina immédiatement que le diable n'était pas venu sans raison, et il se réjouit. Si le diable existait, c'est qu'il n'y avait pas de véritable mort, qu'il y avait une sorte d'immortalité. Au pire, si l'immortalité n'existait pas, on pouvait prolonger cette vie en vendant son âme à des conditions avantageuses. C'était évident, la peur rendait les choses parfaitement claires. Mais le diable avait l'air fatigué et mécontent. Il mit longtemps à engager la conversation et lançait autour de lui des regards dégoûtés et désobligeants, comme s'il se demandait ce qu'il faisait là. Cela inquiéta le dignitaire. Et il s'empressa de lui proposer de s'asseoir, mais même assis, le diable continuait à tout considérer d'un air aussi désobligeant et gardait le silence. Alors voilà à quoi il ressemble, songeait le dignitaire en examinant à la dérobée le visage tout à fait différent et plus qu'étranger du visiteur. Seigneur, quelle trogne déplaisante! Je pense que même là-bas, il ne doit pas passer pour beau. Mais il dit à voix haute: Je ne vous imaginais pas comme ça. Hein? Fit le diable d'un ton désagréable en fronçant les sourcils. Je ne vous imaginais pas comme ça. Ridicule! Tout le monde lui disait cela la première fois, et il en avait par-dessus la tête d'entendre toujours le même refrain. Même le dignitaire songeait. On ne peut tout de même pas lui proposer du thé ou du vin. Avec une gueule pareille, il ne doit pas pouvoir boire. Bon, alors voilà. Vous êtes mort? Commença paresseusement le diable d'un ton excédé. Que dites-vous là? S'écria le dignitaire avec indignation. Affolé, je ne suis pas encore mort. À d'autres, ricana le diable avec indifférence, et il poursuivit. Alors voilà, vous êtes mort. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est une affaire sérieuse, et de façon générale, il va falloir régler cette question. Est-il possible que ce soit vrai, que je sois déjà mort? Fit le dignitaire horrifié. Mais nous sommes en train de bavarder. Et alors, quand vous partez en inspection, est-ce que vous vous retrouvez tout de suite dans le train? Vous attendez d'abord à la gare. Alors, cela veut dire que je suis à la gare? Eh oui. Où voulez-vous donc être? Je comprends. Je comprends. Donc, je ne suis déjà plus moi. Et où suis-je? Ou plutôt, où est mon corps? Le diable fit un vague signe de la tête. Pas très loin. On est en train de vous laver à l'eau tiède. Le dignitaire se sentit gêné. Il se souvint des affreux bourrelets de graisse qu'il avait à la taille et se sentit encore plus gêné. Il savait que les défunts sont lavés par des femmes. Quelle coutume idiote! Dit-il avec irritation. Ça, c'est votre affaire. Moi, je n'y suis pour rien. Je vous demanderai néanmoins de passer à la question essentielle. On n'a pas beaucoup de temps. Vous vous abîmez très vite. Dans quel sens? Dit le dignitaire glacé d'effroi. Dans le sens ordinaire? Eh oui! Dans quel sens voulez-vous que ce soit? Fit le diable d'un ton caustique pour le taquiner. Excusez-moi, mais j'en ai assez de vos questions. Veuillez écouter attentivement ce que je vais vous exposer. Je ne le répéterai pas. Et,
s'exprimant en des termes fort ennuyeux, répétant d'une voix traînante quelque chose dont il avait visiblement par-dessus la tête, le diable lui exposa la chose suivante. Pour un dignitaire âgé et important qui venait de mourir, il y avait deux possibilités. Soit la mort définitive, soit une vie spéciale, un peu bizarre et même douteuse. C'était à lui de choisir. S'il choisissait la première solution, la mort, ce serait le néant éternel, le silence, le vide. « Seigneur, justement l'horreur dont j'avais si peur !» se dit le dignitaire. « Un repos que rien ne viendra troubler !» poursuivait le diable en examinant le plafond inconnu avec une certaine curiosité. « Vous disparaîtrez sans laisser de traces. Votre existence cessera complètement. Jamais plus vous ne parlerez, ne penserez, ne désirerez. Vous n'éprouverez plus ni souffrance, ni joie. Jamais plus vous ne direz « je ». Vous disparaîtrez, vous vous éteindrez, vous cesserez d'être. Vous comprenez? Vous ne serez plus rien. Non, non, je ne veux pas, s'écria le dignitaire. Mais en revanche, le repos, déclara le diable d'un ton sentencieux. Ça a son prix, vous savez. Un repos comme vous ne pourriez jamais en imaginer le meilleur. Je ne veux pas de repos, dit résolument le dignitaire. Mais dans son cœur mort, la lassitude répondait par une prière morte. « Donnez-moi le repos, le repos, le repos !» Le diable haussa ses épaules velues et poursuivit d'un air excédé, comme un vendeur dans un magasin de vêtements à la fin d'une journée de travail trépidante. « Mais, d'un autre côté, je peux vous proposer la vie éternelle. »« Éternelle ?»« Oui, en enfer. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait ce que vous auriez voulu, mais c'est aussi une vie, des distractions. » Des rencontres intéressantes, des conversations, et surtout vous conservez votre moi pour les siècles des siècles. Vous vivrez éternellement. Et je souffrirai ? Demanda l'homme d'un ton craintif. Qu'est-ce que la souffrance ? Fit le diable avec une grimace de dégoût. C'est terrible tant qu'on n'y est pas habitué. Et je dois vous dire que s'il y a une chose dont on se plaint chez nous, c'est bien la routine. Vous avez beaucoup de monde ? Le diable lui décocha un regard en coin. « Pas mal. Eh oui, la routine. Vous savez, à ce propos, nous avons eu de gros désordres ces derniers temps. On réclamait de nouvelles tortures. Voulez-vous qu'on en trouve ? Il râle, le train-train, le ronron quotidien. »« C'est complètement idiot, » dit le dignitaire. « Oui, mais allez le leur démontrer. Heureusement notre... » Le diable se leva respectueusement et prit un air abject. À tout hasard, le dignitaire prit le même air. « Notre maestro a fait une proposition au pêcheur. Allez-y, je vous en prie, torturez-vous vous-même. » « L'autogestion, quoi ?» rétorqua le dignitaire d'un ton ironique. Le diable se rassit et éclata de rire. « Et maintenant, il te creuse la tête. Bon, alors mon cher, il faut se décider. » Le dignitaire réfléchit un instant et faisant déjà confiance au diable, comme à un frère, malgré sa trogne hideuse, il demanda avec hésitation. « Qu'est-ce que vous me conseilleriez ?» Le diable fronça les sourcils. « Oh, ne me demandez rien. Moi, je ne me mêle pas de ça. Mais je n'ai pas envie d'aller en enfer. »« Eh bien, n'y allez pas. Signez !» Le diable plaça devant le dignitaire un papier assez sale, qui ressemblait davantage à un mouchoir qu'à un document aussi important. « Ici !» Il montra avec son ongle. « Non, non, pas là. Là, c'est si vous voulez aller en enfer. Pour la mort, c'est ici. » Le dignitaire prit la plume un instant, il la reposa en soupirant. « Pour vous, c'est facile, dit-il d'un ton de reproche. Mais pour moi, dites-moi, je vous prie, quelles sont les principales tortures chez vous ? Les tortures par le feu ?»« Oui, par le feu aussi, » répondit le diable avec indifférence. « Nous avons des jours de congé. » « Ça alors ?» dit le dignitaire tout content. « Oui, le dimanche et les jours fériés, repos complet. Le samedi ?» Le diable bâilla longuement. « On ne travaille que de 10 heures à midi. »« Bien, bien. Et pour Noël et les autres fêtes ?»« À Noël et à Pâques, on a 3 jours de congé et encore un mois de vacances en été. »« Ça alors ?» fit le dignitaire ravi. « C'est même très humain, si je m'attendais à ça. »« Et dans les cas extrêmes, bien sûr, on peut se faire porter malade. » Le diable regarda fixement le dignitaire et dit « Ridicule !» Le dignitaire eut honte, et le diable se sentit un peu gêné, lui aussi. Il soupira et ferma les yeux.
De façon générale, il était clair que soit il n'avait pas assez dormi aujourd'hui, soit il en avait par-dessus la tête de tout ça. Les dignitaires mourants, le néant, la vie éternelle. Il avait un peu de boue séchée collée au poil de sa jambe droite. « D'où cela vient-il » se demanda le dignitaire. « Il a même la flemme de se nettoyer. »« Bon, alors comme ça, le néant, » dit l'homme d'un air songeur. « Le néant !» répondit le diable comme un écho, sans ouvrir les yeux. « Ou bien la vie éternelle. »« Ou bien la vie éternelle. » Le mort réfléchit longuement. Là-bas, on avait déjà célébré l'office des défunts, et il réfléchissait toujours. Ceux qui voyaient sur l'oreiller son visage extraordinairement sévère et grave étaient bien loin de se douter des rêves étranges qui se déroulaient sous ce crâne froid. Et ils ne voyaient pas le diable. Le reste de l'encens se consumait en fumant. Cela sentait les cierges de cire éteints et encore quelque chose d'autre. « La vie éternelle !» répéta le diable d'un air pensif, sans ouvrir les yeux. « Explique-lui mieux ce que cela veut dire. Tu expliques mal qu'il dit, comme s'il allait comprendre un jour. » « C'est imbécile !»« C'est de moi que tu parles ?» demanda le dignitaire avec espoir. « Oh, je dis ça comme ça. Ma tâche est insignifiante. Mais quand on regarde tout ça... » Le diable secoua la tête d'un air navré. Le dignitaire secoua lui aussi la tête en signe de commisération et dit « Visiblement, vous n'êtes pas satisfait. Et si moi, de mon côté... »« Je vous prie de ne pas vous mêler de ma vie privée !» s'écria le diable avec colère. « Et d'ailleurs, dites-moi... « C'est qui le diable ici? Vous ou moi? On vous pose une question, alors répondez, la vie ou la mort ?» Le dignitaire se remit à réfléchir. Il ne savait toujours pas quoi décider. Et, soit parce que son cerveau s'abîmait de seconde en seconde, soit par faiblesse naturelle, il commença à pencher du côté de la vie éternelle. « Qu'est-ce que la souffrance ?» se disait-il. « Sa vie tout entière n'avait-elle pas été souffrance ? Et pourtant, comme c'était bien de vivre !» Ce ne sont pas les souffrances qui sont terribles. Ce qui est terrible, c'est que le cœur ne peut les contenir. Le cœur ne peut les contenir et il réclame le repos. Le repos, le repos. Entre-temps, on l'avait déjà emmené au cimetière. Et les funérailles avaient été célébrées juste à côté du département qu'il avait dirigé. Il pleuvait, tous avaient des parapluies, et l'eau dégoulinait des parapluies, coulant sur la chaussée. La chaussée luisait, et des risées couraient silencieusement sur l'eau, car, outre la pluie, il y avait du vent. Mais les joies aussi, le cœur ne peut plus les contenir, se dit le dignitaire, penchant du côté du néant. Il est là des joies, et réclame le repos, le repos, le repos. Suis-je donc le seul à avoir un cœur aussi étriqué, ou bien est-ce le lot de tout le monde? Seulement, je suis fatigué, comme je suis fatigué. Il songea à un incident récent. C'était avant sa maladie. Il avait des invités chez lui, tout se déroulait dans la dignité, la gaieté et la cordialité. On riait beaucoup, surtout lui. Une fois, il avait même ri aux larmes. Et, à peine avait-il eu le temps de se dire « comme je suis heureux », qu'il avait éprouvé un soudain besoin de solitude. Pas dans son bureau ni dans sa chambre, mais dans le lieu le plus solitaire. Et il s'était tapi là, dans cet endroit où l'on ne se rend que pour ses besoins, et il s'y était caché comme un gamin, voulant échapper à une punition. Il avait passé là plusieurs minutes, ne respirant presque plus tant il était fatigué, abandonnant à la mort son esprit et son corps. Communiant avec elle dans un silence lugubre, comme il n'en existe que dans la tombe. « Il faut se dépêcher !» dit le diable d'un air sombre. « C'est bientôt fini !» Il aurait mieux valu qu'il ne prononçât pas le mot « fini ». Le dignitaire allait s'abandonner complètement à la mort. Mais, à ce mot, la vie redressa la tête et se mit à hurler, exigeant d'être prolongée. Et tout devint si incompréhensible, si difficile à décider, que le dignitaire s'en remit au destin. « On peut signer les yeux fermés ?» demanda-t-il au diable d'un air craintif. Le diable lui lança un regard en coin, hocha la tête et dit « Ridicule !» Mais sans doute en avait-il assez de perdre son temps. Il réfléchit un instant, poussa un soupir et déplia de nouveau devant le dignitaire le papier froissé qui ressemblait davantage à un mouchoir qu'à un document aussi important. Le dignitaire prit la plume, secoua l'encre une fois, deux fois, ferma les yeux, chercha l'endroit avec son doigt et... Mais au dernier moment, alors qu'il traçait déjà son paraphe, il n'y tint plus et regarda d'un œil. Et il poussa un cri en jetant la plume. « Ah ! Qu'ai-je fait ?» Et le diable répéta comme un écho. « Ah ! » Les murs et le plafond poussèrent un cri. Ils s'écartèrent en criant, et le diable s'en alla en riant aux éclats. Et plus il s'éloignait, plus son rire enflait. Il perdait tout contour et se transformait en roulement fracassant.
À ce moment-là, on était en train d'enterrer le dignitaire. De lourdes mottes de terre humide et collante tambourinaient sur le couvercle, et on avait l'impression que le cercueil était complètement vide, qu'il n'y avait rien dedans, même pas un défunt, tant les sons étaient amples et sonores. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Cauchemars, fantômes et squelettes, les siffles aux idées noires, près de la mare aux oubliettes, venu du sphère obligatoire. Lutin, lucioles, feu follet, elfes, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse, un peu de dû, me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubérique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, il ne se dresserait de bon dans un concert de jurons disant le tout pathétique que l'état des obscènes, cyniques et corrompus passe grief de leur peine. Le ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.